Donc la France est composée aujourd'hui de peuples d'origine diverse au début, donc les Flamands, les Corses, les Basques, les Alsaciens, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose à l'échelon européen? Pourquoi ce ne serait pas possible? Alors c'est possible, mais ça s'est fait en France avec des siècles de violence hein, et de guerre, et puis d'interdiction de parler les langues, par exemple la langue d'oc ou la langue occitane dans le sud de la France, la langue bretonne. De manière corsée, de manière dure, on va dire. Ouais, mais c'est obligatoire. Je veux dire, si vous voulez avoir que les, que, il faut tout uniformiser, parler la même langue. Donc il faudrait que tout le monde se mette à parler probablement anglais. Je veux dire, pour que effectivement, il faudrait uniformiser. Moi, je pense que c'est plus beau d'avoir une variété de pays européens avec une diversité de cultures. J'aime beaucoup plus ça. Quand je vais en Belgique, j'aime bien voir la culture belge. Vous voyez, si c'est pour voir des magasins qui sont les mêmes qu'en France, ça me fait pas plaisir. Ce qui est plaisant dans un voyage, c'est de voir cette diversité. Pareil pour l'Espagne, etc. Et effectivement, sous le coup de la mondialisation et de l'européanisation, on a une uniformisation hein, très clairement qui se fait des peuples. Je pense que ça serait très long et très complexe, mais je pense que c'est pas du tout souhaitable. La force de l'Europe, sa résilience, c'est d'avoir des peuples différents, avec des cultures différentes, mais qui s'entendent et qui se respectent profondément. Est-ce que vous pensez aussi, comme François Asselineau, que la France a plus de liens avec les pays de la francophonie qu'avec les autres pays européens? Alors, je sais pas s'il dit vraiment ça, mais c'est vrai qu'entre Il avait dit des choses qui vont dans ce sens-là, comme quoi la France avait plus de liens avec le Mali et le Sénégal qu'avec la Lettonie, etc. Alors c'est vrai que moi je suis allé au Parlement européen, c'est vrai que quand vous voyez des Lettons et vous entendez des Lettons et certains pays de l'Est, vous vous rendez compte que vous êtes très très loin, quoi, effectivement. Vous êtes. Voilà, c'est au niveau de. Mais effectivement, on a des. Par exemple, la France est un pays qui a des liens, moi je pense principalement avec le Maroc, qui a des liens très forts, quoi, parce qu'il y a des cultures qui se rapprochent, quoi, d'une certaine manière. Même s'il y a des. Et le fond n'est pas le même, puisque c'est plutôt des cultures d'islam au Maroc. Et encore, il y a. Le Maroc est un pays quand même berbère au départ, plus que arabe. Et la France est un pays chrétien, mais il y a quand même des choses qui se rapprochent, effectivement. Mais de toute manière. De toute manière, quoi qu'il arrive, il y a une chose très importante, c'est que l'Europe a un vrai problème, un problème de fond gravissime, c'est le problème démographique. Ce problème démographique, c'est un continent extrêmement vieillissant, avec des pays comme l'Italie, l'Espagne qui ont 1,2 enfants par femme, Les pays l'Allemagne aussi, est aussi catastrophiques. les pays de l'Est catastrophiques, la Hongrie, bien qu'ils essayent de relancer, ce qui est très bien, Ils ont la une Russie. nataliste en Hongrie. Tout à fait. La Russie aussi avait un énorme problème démographique qu'elle a partiellement réglé. Mais ça, c'est fondamental parce qu'un pays qui va vieillir, un continent qui va vieillir, c'est un problème. Donc, je pense qu'il faut que la France se tourne vers le large et pas seulement soit obsédée par l'Europe, 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 quoi. Je pense que c'est très important. Est-ce que Bien, bien entendu, nos voisins européens sont nos amis, mais pas être obsédé seulement par l'Europe. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a un destin commun, une civilisation commune entre tous les pays d'Europe, que ce soit du Portugal jusque vers la Lettonie, etc. Un fond grec, romain, chrétien, etc. Il y a quand même quelque chose de commun, non? Alors, par exemple, le fonds grec et romain en Allemagne, il y est pas. Et ce qui explique peut-être la différence entre l'Allemagne et. À travers l'Église, etc., la langue latine, il y a parfois aussi il y a des déclinaisons dans la langue allemande qui ressemblent aux déclinaisons latines. Il y a beaucoup de formules latines en Allemagne aussi et dans les pays anglo-saxons. C'est vrai, mais les latins n'ont pas été romanisés, ce qui crée effectivement une différence fondamentale avec des pays latins comme la France, l'Italie et l'Espagne, hein, clairement. Mais je pense qu'il y a une civilisation commune. Effectivement, mais ce qui ne veut pas dire que les pays doivent être gouvernés de la même manière, parce que les différences sont énormes entre les différents pays. Et pour gouverner bien un peuple, il faut le gouverner selon ses qualités. Vous voyez ça, même par exemple sur l'économie. Vous regardez, j'ai fait un gros travail de recherche sur la croissance économique dans les différents pays européens. Et là, je suis tombé sur les fesses. Quelque chose auquel j'avais pas conscience à ce point-là, c'est que le Royaume-Uni avant Margaret Thatcher, avait une croissance extrêmement faible. Vraiment, c'était l'homme malade de l'Europe. D'ailleurs, ils avaient fait appel au FMI. Aussi à l'époque. Ouais, exactement, des problèmes majeurs. Pourquoi? Parce que moi, je suis totalement anti-thatchérien hein, en France, même en Angleterre, c'est allé trop loin, probablement. Mais Thatcher, elle a permis d'avoir la liberté de nouveau en Angleterre. L'Angleterre est un pays, la France, un pays liberté, égalité, fraternité. L'Angleterre, c'est un pays qui est plus axé sur la liberté des traditions. Et si vous enlevez cette liberté économique qui avait été un peu enlevée après la guerre par le Royaume-Uni,
eh bien, vous n'avez pas de croissance. Vous voyez, il y avait très peu de croissance. Et quand Thatcher arrive, et pourtant elle fait des dégâts, elle libère la croissance anglaise. Elle est allée trop loin, mais elle a libéré la croissance anglaise et l'Angleterre s'est beaucoup mieux portée sur les 30 ou 40 ans à venir. Soyons honnêtes, même si je suis anti-thatchérien en termes de doctrine économique. Vous voyez ? Et donc, ça veut bien dire que chaque pays doit être gouverné d'une manière bien spéciale en fonction de ses qualités, de ce qu'il est profondément. Ah, la question est anthropologique. La France a besoin, vous pensez, d'un État fort, tandis que les pays, par exemple, anglo-saxons n'ont pas vraiment besoin d'un État fort. Tout à fait. Ça dépend de chaque pays.